Ah salut, c'est toi le défi AB. Allez viens, on va te présenter l'UT et notre équipe. Bonjour à tous. À tous. Salut. Salut, je m'appelle Romain Garnier. Je m'appelle Martin. Je m'appelle Elisa Créin. Je m'appelle Amélie Briveil. Et je suis en deuxième année de DUT. Sur IAB à Mont-de-Marsan. Avec mes camarades, nous représentons l'IUT de Mont-de-Marsan pour le concours de bière de 2022 qui a pour thème la bière verte. Bon, ok, le thème c'est la bière verte, mais qu'est-ce que ça nous a inspiré du coup? Personnellement, dans un premier temps, ça m'inspire plus tout ce qui est en rapport avec la couleur, tu ne te penses pas? Une bière verte, ça donne pas trop envie de la voir. C'est sûr. C'est artificiel. Ah. Donc, le mieux, c'est qu'on a une jolie région, très diversifiée. Mmh. Moi, je pense qu'on pourrait partir sur une locale. Plus, c'est pas comme si on connaissait quelqu'un qui possède une microbrasserie à Saint-Sever-Mont-de-Marsan et qui pourrait nous aider. Oui, ça pourrait être un gros avantage pour nous mettre en contact avec tous les fournisseurs locaux que vous connaissez. Bon. On part sur une bière locale, alors. Let's go. Bon, on a le sujet de la bière, donc maintenant, comment on va l'appeler cette bière? Hé, j'ai une idée. Pourquoi pas Green Lantern? Ouais, vas-y. Bon. Émeraude, peut-être? Bah, émeraude, ça jouera sur la couleur, mais nous, on joue plutôt sur le local. Vas-y. Pourquoi? Faut réfléchir sur notre vrai thème. On est sur une bière locale, on est dans de l'agroalimentaire, donc tout ce qui se rapporte à la consommation, à manger. Pourquoi pas local? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le locavor, c'est une super bonne idée parce que loca signifie local et vor signifie manger. Et ce mot a une signification de on produit, on consomme local. Et je pense que c'est pile poil dans notre thème. Trop bonne idée! Maintenant qu'on a le thème et le don de notre bière, je vous emmène voir la microbrasserie. C'est bon? Ouais, vas-y. Bonjour à tous. Attends, j'ai fait qui? C'est bon, tu prends vidéo? J'ai pas ma phrase. C'est quoi déjà votre phrase? Ah merde, fallait que je le dise, pardon. Ah non, mais c'est pas un adjectif, du coup. Je vous emmène voir notre brico. Notre brico marché. Ouais, super.